Bonjour. Pour vous accompagner dans l'installation de votre appareil, je vous propose en quelques images de vous montrer les points clés de l'installation. On va monter les 5 supports triangulaires. Donc, on met des deux vis de cette manière et on vient appuyer dos aux pattes du bout du bras mobile. Une fois que les 5 supports triangulaires sont serrés à la clé, je viens placer l'une des tôles paraboliques donc par-dessus le deuxième support triangulaire et contre le premier support triangulaire. De cette manière, je peux insérer les deux premières vis à ajuster en face des trous. Pour la deuxième tôle, il faut desserrer la poignée ici et remonter le bras mobile jusqu'en haut. Ensuite, la deuxième tôle parabolique qu'on vient appuyer sur ce support triangulaire et qu'on vient ajuster sur l'autre. Une fois que toutes les vis sont montées, on retourne l'appareil pour effectuer le serrage final. Pour le réglage, il faut mettre la parabole face au soleil. Donc pour ça, il y a deux réglages, la rotation et l'élévation ici. Il suffit d'attraper le bras mobile de cette manière, de desserrer ici et de venir chercher le point blanc ici. C'est le reflet de cette pièce ici. On a un point blanc qui s'affiche ici et on est réglé. Maintenant que nous avons le point blanc, on a un réglage optimum du foyer. On peut contrôler avec un morceau de bois qui s'enflamme instantanément. Dès que la cuisson est terminée, on enlève la grille à l'aide d'une manique parce qu'elle peut être encore chaude et on peut retourner l'appareil en position off jusqu'au printemps prochain, toute l'année.